Mesdames et messieurs, chers amis de Leonjo Leo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve certainement, d'habitude, nous parlons politique de notre pays, mais aujourd'hui c'est quand même un face-à-face spécial au cours duquel nous allons parler santé. Dans cette émission, nous allons parler santé, une maladie qui touche beaucoup de personnes en République démocratique du Congo. Nous aurons certainement beaucoup plus de détails sur cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la cécité. La cécité, vous savez que c'est une maladie des yeux. Vous aurez beaucoup plus de détails avec notre invité de ce soir. Et pour aujourd'hui, nous recevons le docteur Bruno Chilela, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes expert en santé publique et phytothérapeute. Vous êtes responsable du centre de recherche scientifique dénommé GLOARA. Je pense c'est ça. Ouais. Et docteur Bruno, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez, avant d'entrer dans notre vif, dans notre sujet, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la phytothérapie? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, j'aime bien la phytothérapie. Et c'est une passion familiale. Mm-hmm. Déjà là, dans la famille, mon père, c'est un phytothérapeute. Et donc, c'est une passion phytothérapie. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une passion familiale, disons. Et c'est ce qui m'a plus aidé, quand bien même nous sommes dans le monde de la santé publique, mais je me suis plus penché dans le monde de phytothérapie, dans les recherches, en fait. Dans la phytothérapie, on dit peut-être que la médecine traditionnelle, c'est une médecine marginalisée, c'est une médecine villageoise, si je peux dire ainsi. Est-ce que vous ne vous sentez pas gêné quelque part? Phytothérapie, en fait, c'est les personnes en soi qui conçoivent mal la chose. Phytothérapie, c'est en grec, hein, phyto, qui Phytos. Est plante, mm-hmm. et thérapie, qui est traitement. Oui. Donc, nous utilisons les produits médicinaux, les produits naturels. Aujourd'hui, si vous allez dans le monde entier, vous verrez que des grands messieurs se penchent dans ce qui est naturel. C'est peut-être que on est tellement complexé, hein, des fois on est complexé. On pense que ce qui émane d'un fils du pays, non, c'est pas villageois. Nous sommes dans la science. Nous sommes dans la science, phytothérapie utilise les mêmes mécanismes que la médecine moderne de traitement, mm-hmm. mais seulement, et ils utilisent les produits naturels, et dans la médecine moderne, on utilise les produits chimiques. Est-ce qu'il y a une différence entre la phytothérapie et la médecine traditionnelle? La médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle englobe beaucoup de tranches, mm-hmm. de médecine. Dans la médecine, donc la phytothérapie est inclue dans la médecine traditionnelle. Et dans la médecine traditionnelle, nous avons les herboristes. Mm-hmm. Dans la médecine traditionnelle, nous avons les spiritualistes. Là, ce sont des gens qui, donc, en quelque sorte, les féticheurs, quoi. Oui. Donc, nous avons les naturalistes, donc, dans la médecine traditionnelle. Donc, la phytothérapie se trouve aussi dans la médecine traditionnelle. Et tout simplement parce qu'ils utilisent ce qui est naturel. Mm-hmm. Mais un phytothérapeute n'est pas à confondre, puisqu'il y a aussi une nuance entre un praticien et un phytothérapeute. Oui. Un praticien, déjà par l'appellation, c'est un praticien. Donc c'est quelqu'un qui pratique des choses qu'il ne maîtrise pas bien. Mm-hmm. Mais un phytothérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié, mais tout simplement, il possède par les mécanismes naturel. Uh-huh. Donc au lieu des produits chimiques, lui utilise des produits naturels. Donc un tradit praticien pratique seulement des choses qu'il maîtrise. Pas c'est un praticien qui, au fait, en quelque sorte, un phytothérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié. Il maîtrise bien ce qu'il est en train de faire et voilà. Je pense que c'est ça un peu. Je crois que d'un moment à l'autre, nous allons également parler de vos recherches personnelles, mais laissons-nous entrer d'abord dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en train de parler de la cécité. Ouais. Est-ce que, docteur Bruno, vous pouvez nous dire, les internautes ont besoin de savoir, c'est quoi la cécité? Merci beaucoup.
La cécité, c'est un état pathologique. La cécité n'est pas une maladie. Mm-hmm. C'est un état pathologique qui a comme facteur de risque, je cite les glaucomes, par exemple, qui a comme facteur de risque la cataracte, qui a comme facteur de risque la rétinopathie diabétique, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, en quelque sorte, la cécité est causée par plusieurs pathologies. Mm-hmm. Quelles sont ces pathologies? Comme je venais de citer tout à l'heure, tension oculaire, mm-hmm, ou glaucome, ou cataracte aussi. D'ailleurs, dans le monde entier, ce sont là les deux pathologies qui causent beaucoup des cécités, mm-hmm, qui amènent beaucoup de personnes dans la cécité. Dans le monde, c'est la cataracte, mais ici en RDC, nous parlons glaucome. Nous parlons glaucome qui a causé beaucoup de problèmes de vue aux gens, ou qui a amené beaucoup de personnes dans la cécité. Mm-hmm. Et je vous rappelle aussi que la RDC, selon les statistiques ou les rapports de l'OMS, la RDC occupe la première place au monde. Donc, c'est la RDC, je peux dire en quelque sorte, qui a beaucoup des aveugles. Selon les statistiques, 26 millions de personnes sont prédisposées à perdre la vue et 13 millions ont déjà perdu la vue. Mm-hmm. Donc, il occupe la première place. C'est vraiment un problème de santé publique très sérieux dont il faut mettre tout en place pour voir comment éradiquer. Mais malheureusement, on en parle moins. Il n'y a pas de sensibilisation dans ce sens-là. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller de pire en pire. Vous avez si bien dit que la cécité est une pathologie dont les facteurs de risque sont beaucoup plus la cataracte et le glaucome. Oui. J'aimerais que nous puissions nous apesantir un peu sur ces deux symptômes ou ces deux pathologies de la cécité. Oui. Vous pouvez nous expliquer d'abord quels sont les symptômes, allais-je dire, les symptômes de glaucome et de la cataracte. Bon, au fait, si je dois parler des deux, c'est plus le glaucome qui est très dangereuse. Mm-hmm. La tension oculaire, comme nous appelons, est très dangereuse tout simplement parce que jusque-là, il n'y a pas encore un produit qui met fin à cette pathologie. Mm-hmm. Il y a plusieurs molécules qui se donnent et il n'y a pas de bons résultats. C'est plus on en donne et la personne perd la vue jusque dans la cécité. Et la cataracte est facile à détecter. Mm-hmm. Elle est facile à détecter. Comment mais les glaucomes, les examens appropriés, même déjà là, lorsque quelqu'un développe, il faut être corps médical pour détecter. Non, ça c'est une cataracte, ça c'est une... Et ainsi de suite, au travers les examens, c'est facile à détecter. Mais le glaucome n'a pas de symptômes. Mm-hmm. Le glaucome n'a pas de symptômes. Un bon matin, vous vous réveillez, c'est un œil qui est parti. Et un autre matin, c'est l'autre qui est parti. Vous n'avez jamais eu mal aux yeux, bon, ça ne picotait pas, les larmes n'écoulaient pas, mais la vue est partie. Donc le glaucome, c'est une pathologie dangereuse parce qu'il n'a pas de symptômes. Mais selon notre expertise, selon ce que nous avons expérimenté, mm-hmm, dans notre centre, il faut plus faire attention. Il faut plus faire attention. Déjà, lorsqu'il y a une personne dans la famille qui a souffert du glaucome, c'est recommandé, après chaque 2 ans, que les membres de la famille passent se faire examiner, ne fût-ce que voir, faire un examen, par exemple, de champ visuel. En quelque sorte, c'est une maladie héréditaire. Oui, oui, c'est aussi dans l'hérédité, le glaucome. Fond d'œil, on va regarder aussi la tension oculaire pour prévenir cette maladie. Au fait, prévenir ou être plus, on la détecte tôt et il y a possibilité de garder sa vision. Et aussi, plus on détecte la maladie, plus on peut la maîtriser. Et on conseille aussi, en général, lorsque la personne a déjà développé la maladie, uh-huh, vous verrez, et de temps en temps, vous avez tendance à vous frotter les yeux. Donc, il y a les picotements, oui, il y a les picotements. Vous avez des insomnies à répétition et vous avez aussi des maux de dos. Malgré un traitement pris pour les palus, ainsi de suite, on vous dit non, c'est négatif, mais vous constaterez au fur et à mesure, vous faites trop de,
de migraines, vous êtes très nerveux. Et ça, ce sont déjà des symptômes du glaucome. Et aussi, par exemple, tu es concentré, tu es en train de prier, par exemple, tu vois les larmes qui coulent, mais tu ne pleures pas. Mm-hmm. Lorsque tu es concentré, même si tu n'es pas concentré, mais il y a tendance que les larmes de temps en temps coulent de vos yeux. Mm-hmm. Ça, ce sont déjà quelques signes qui manifestent la présence d'un glaucome chez quelqu'un. Mm-hmm. Donc, il y en a un peu moins, mais ça, c'est selon notre expertise et nos recherches que nous avons trouver ces symptômes-là chez la plupart des patients. Voilà, nous allons parler tout à l'heure du traitement, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire quelles sont les personnes prédisposées à être atteintes de cette maladie, ces deux maladies, disons, la cataracte et le glaucome. Oui, ces deux pathologies, en général aussi, elles marchent ensemble. Oui. Soit on commence par la tension oculaire et on finit par développer la cataracte. Tout soit c'est une cataracte qui s'annonce d'abord au fur et à mesure, on finit par développer les glaucomes. Les personnes prédisposées à développer ces maladies, nous citons les enseignants. Mm-hmm. Les enseignants qui... Mais pourquoi les enseignants? Les enseignants, je vais citer, c'est parce que la plupart des enseignants ou qui ont enseigné à la craie, la craie, c'est une composition chimique. Plus tu enseignes, tu encaisses cette craie-là au niveau de tes yeux. Mm-hmm. Selon les statistiques d'ARC que nous avons eu à faire chez nous sur place, tu finis par développer des glaucomes. Mm-hmm. Sur, je peux dire, 9 enseignants sur 10 ont les glaucomes. 9 enseignants sur 10 ont les glaucomes, surtout les enseignants qui ont enseigné à la craie. Mm-hmm. Et nous avons aussi l'hérédité, comme j'avais déjà cité tout à l'heure. Donc, les personnes prédisposées à développer cette maladie, déjà dans la famille, si les grands-parents, les parents ont développé cette maladie facilement, toi aussi tu peux en développer. Et nous avons aussi, au fait, si je dois parler dans l'ensemble, les peintres, toutes les personnes qui sont exposées aux concentrations des produits chimiques. Il y a le peintre, il y a les agronomes, il y a les cleaners. Tellement que ton travail a été mélanger des produits pour le nettoyage, a été cette concentration la monte au niveau des yeux. Ça finit par développer les glaucomes. Nous avons aussi, disons, le menuisier, les menuisiers, la poussière là, tu encaisses. Les autres, voire même les mécaniciens aussi. Puisqu'avec eux, des fois, ils s'habituent tellement, ils peuvent prendre un peu de l'huile motaire, frotter l'œil qui est en train de chatouiller, ils l'amènent là. C'est beaucoup risquant. Je peux dire, trois mécanos sur 4 développent les glaucomes. Mm-hmm. Donc, la liste est longue. Comme je disais tout à l'heure, plus on est exposé aux produits chimiques et on ne se protège pas, on a la possibilité de développer cette pathologie. En dehors de ça, l'utilisation abusive des yeux. Mm-hmm. Vous dormez moins. Vous lisez beaucoup. Vous dormez moins, donc moins de 8 heures. Mm-hmm. Et tout le temps, vous êtes là devant votre téléphone, vous êtes devant votre machine ou devant la télé. Comme Thierry Batondoko d'ailleurs. Vous allez finir par développer la maladie. D'ailleurs, il y a une étude qui a été effectuée dernièrement en France chez les ados. Les adolescents ont développé les glaucomes tout simplement parce qu'ils dorment moins, ils en ont fait une habitude tout le temps devant la télé et cette lumière-là finit par développer la maladie. Les gens qui travaillent aussi la nuit, les corps médicaux, les vigiles, les sentinelles, tu es là, tu vas au boulot, tu as pris toute la nuit en train de travailler et la journée quand tu rentres à la maison, au lieu de dormir, tu as des heures de temps, tu sors, tu vas aller faire autre chose. Mm-hmm. Et plus tu développes cette habitude-là, tu vas finir par développer les glaucomes. Et en quelque sorte, la liste est longue. Ce sont là les personnes prédisposées à développer les glaucomes. Mais docteur, en vous écoutant, on a tendance à croire que c'est tout le monde qui est exposé au glaucome. Pratiquement tout le monde. Le corps humain, c'est un organisme composé de beaucoup d'organes qui ont des principes à respecter pour mieux vivre. Et lorsque vous ne respectez pas ces principes-là, c'est compliqué. Et je n'ai cité que cette liste-là, sans toucher les femmes. Comme c'est le mois des femmes, lorsque, par exemple, vous mettez du maquillage et vous ne vous démaquillez pas. Oui. Et à un moment donné, vous amenez dans les yeux, frottez, et ça finit aussi par créer des problèmes. Actuellement, si vous faites attention, parce que moi, je suis dans ça,
vous verrez que beaucoup de nos jeunes dames actuellement n'ont pas des yeux clairs. Ils ont plus des yeux un peu rougeâtres, un peu jaunâtres, un peu tachetés. Et donc ce problème-là est plus aussi contentation, c'est qu'ils mettent des cils, on met de la colle, et puis et plus ça entre dans les yeux, ça traumatise, ils mettent des trucs un peu au niveau des cils. Quand il y a un peu de larmes, ça entre dans les yeux. Et cette habitude-là finit par compliquer. Donc c'est un mode de vie. Toi, tu t'achètes un, je sais pas, des lunettes là, des gars qui passent tout le temps là sur l'avenue, tu portes sans conseil du médecin. Prescription du médecin, tu portes au fur et à mesure, ça va te compliquer la situation. Donc tu dois vivre normalement en respectant les principes qu'il faut. Mais sinon, si tu ne le fais pas, tu vas finir par développer une maladie. Tout le monde est prédisposé à développer une maladie s'il ne mène pas sa vie comme il se doit. Vu que nous tous, nous sommes prédisposés à être atteints, moi, Fiston Yankole, Thierry Batondoko, Sabi, moi également. Vous également, tout le monde. Oui. Comment prévenir? D'abord, à dormir suffisamment, c'est-à-dire ceux qui travaillent, au moins 8 heures du temps. Si vous constatez aujourd'hui, beaucoup de gens ne dorment pas, ne respectent pas ce timing-là. Et ceux qui ne parviennent plus à atteindre ce timing-là, ils sont déjà malades, comme je parlais. Et il faut faire attention, c'est plus les glaucomes. Non, moi je dors souvent ou à telle heure. Je vais au lit par exemple à minuit, à 1 heure pour me réveiller à 5 heures. Donc là déjà il y a un problème. Des insomnies, même si tu vois encore, et aussi des fois aussi des maux de tête, tu prends un calmant, ça se calme mais c'est continu. Tu as un palliatif, on soigne mais les maux de tête continuent. Dis-toi que ça doit être un début de la tension oculaire. Si on creuse fort, vous trouverez des problèmes. Il faut bien dormir. C'est comme là, les gens qui travaillent devant le laptop, la luminosité la nuit, voire même les téléphones, il faut diminuer à fond. Il faut diminuer à fond la luminosité et aussi avoir les heures de travail. Comme on dit 8 heures de travail, il faut que ça soit 8 heures. Toi, tu as quitté le boulot. À la maison, tu continues et tu dors moins. Et pire encore, les yeux ne sont pas bien protégés. Et là, et facilement, vous pouvez développer la maladie. Comme je venais de dire tout à l'heure, évitez de porter n'importe quoi. C'est comme nous le voyons aujourd'hui dans notre pays. Plus il y a d'œil, les gens ont tendance à porter des lunettes fumées, des antisoleils. Bon, ils pensent c'est aussi des conseils, les lunettes fumées. Mais il faut que ça soit approprié à tes yeux. On doit t'examiner, te dire, non, voilà, ça c'est approprié, adapté à tes yeux. Mais si tu achètes comme ça, dans la rue, et puis tu portes, ça va te compliquer. Ça va compliquer ta situation. Tous ceux qui font des travaux du genre maçonnerie, menuiserie, protégez vos yeux. Il y a des casques, il y a des lunettes, il faut porter. Quand tu te protèges, les agisteurs. Oui, les agisteurs aussi. Il faut bien protéger les yeux. Les mécaniciens aussi. Plus tellement qu'ils font ce travail-là, à un moment donné, ils ne se protègent plus. Ils se sont habitués avec la chose, ils se disent, mais au fur et à mesure, c'est comme là, dans notre centre, nous recevons plus cette catégorie de personnes-là. Oh, je suis enseignant. C'est plus les enseignants, plus les mécanos, plus les informaticiens, plus les agronomes, plus ceux qui ont eu à utiliser des produits chimiques, les cleaners aussi. Nous recevons aussi les vigiles. Ils sont dans cette liste-là. Donc, il faut bien vivre sa vie. Tu es corps médical, tu travailles la nuit, tu rentres à la maison, dors. Par exemple, au boulot, tu as eu 4 heures de sommeil. Quand tu rentres à la maison, il faut récupérer tes 4 heures de sommeil. Là. Des fois, en dehors de ça, c'est conseillé de siester un peu la journée. Même 30 minutes, 1 heure du temps. Mais maintenant, là, lorsque tout est... C'est compliqué. C'est compliqué, ça va créer un dysfonctionnement et c'est parti, c'est la maladie. Voilà, docteur Bruno Thiela, je rappelle que vous êtes expert en santé publique et phytothérapeute. Vous êtes responsable du centre de recherche scientifique Gloara. Oui. Nous sommes en train de parler de la cécité. Vous avez dit que c'est une pathologie qui se manifeste à travers la cécité, qui se manifeste à travers le glaucome et la cataracte. Voilà. Oui. Maintenant, parlons du traitement. Ah, oui. Certainement, vous avez si bien dit que dans votre centre, vous recevez les gens qui viennent avec cette pathologie, certainement. Vous traitez également. Parlez-nous un peu du traitement de ces pathologies.
quel est le traitement approprié? Est-ce que ce sont les feuilles? Est-ce que ce sont tout ce que nous voyons avec les charlatans où il y a un traitement approprié pour ces deux maladies, ces deux pathologies? Merci beaucoup. Si je dois parler du traitement, c'est un point fort, surtout quand on parle de glaucome. Quand on parle de glaucome dans le monde entier, il n'y a pas de produit qui guérit les glaucomes. Vous irez, on vous donnera les molécules que vous connaissez, dont j'étais les noms. On va vous les donner, on vous dit, tu vas l'utiliser toute ta vie. Mais plus tu l'utilises, la vision baisse. Uh-huh. Et jusque-là, il n'y a pas un produit approprié. Mais gloire à Dieu, selon nos recherches, dans notre centre, nous avons réussi à mettre en place une molécule très efficace. Une molécule très efficace dont beaucoup en parlent aujourd'hui. Et une molécule qui guérit les glaucomes. Uh-huh. Donc nous avons mis en place un produit qui guérit les glaucomes, quel que soit à l'angle ouvert, les glaucomes chroniques, à l'angle fermé. Et cette molécule-là, tellement que les glaucomes ou la tension oculaire marche de pair avec la cataracte aussi, ça peut commencer, ça finit. Donc la même molécule-là, on l'a fait de telle sorte que même si la personne a une cataracte et aussi la tension oculaire, cette molécule soigne très bien. Donc si on doit parler des résultats, bon, j'étais les noms. Question de discrétion. Vous n'avez pas encore fini les recherches ou quoi? Oui. Non, c'est déjà fini, mais j'étais le nom. Vous savez, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, ce monde de beaucoup de réalités, je préfère pas parler plus sur ces points-là, mais la molécule existe. Les gens qui viennent au centre sont témoins oculaires de la chose. Nous avons aujourd'hui des Belges qui quittent la Belgique. Je ne sais pas si vous avez des temps, vous aurez des images de ces gens-là. Il a quitté la Belgique pour venir se faire soigner au Congo. Et il est venu se faire soigner au Congo satisfait. Il est venu quelqu'un qui était incapable de faire ses courses. Il fallait qu'on le tienne la main. Et aujourd'hui, pire encore ça, c'est quelqu'un d'abord qui était diabétique. Avec la rétinopathie diabétique, ça empire encore la situation. Mais nous l'avons soigné. Aujourd'hui, il voit très bien. Aujourd'hui, il peut conduire. Aujourd'hui, il peut tout faire. Au travers de cette molécule qui redonne de la joie, de la confiance. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, le médecin te dit, eh, voilà ton cas, on ne peut rien faire, ça bouleverse. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes, et Dieu m'écoute, ils sont conscients de ce que je suis en train de dire. Et souvent, des fois, il y a des médecins qui sont agressifs. La façon de communiquer avec les patients, on se dit, bon, écoutez, on ne sait plus faire, il n'y a pas grand chose à faire pour toi, tu peux mettre seulement ces produits, et tu les mets aussi dans le temps, la vision baisse et moralement ça joue. Je t'informe qu'il y a un produit qui a été innové, une molécule très efficace qui a été innovée ici dans notre pays, RDC, dont beaucoup de personnes peuvent apporter un soutien, mettre la main à la pâte, afin que, pourquoi pas les autorités de ces pays, afin de s'approprier cette recherche pour en faire une valeur du pays. Et vous pouvez encore nous appeler, vous voulez encore avoir beaucoup de détails sur cette molécule. Vous pouvez nous appeler au 081-95-66-207. Je disais 81 en mettant les codes du pays, bien évidemment, la RDC. 81-95-207. Et par rapport, il y a aussi la chirurgie, mais la chirurgie, je peux vous dire, à 10%, elle réussit. La chirurgie à 10%, elle réussit, d'ailleurs surtout dans des pays développés, et surtout pour la cataracte, mais vous poserez des questions, vous êtes des journalistes, descendez sur terrain, vous entendrez beaucoup de patients dont on a eu à opérer, 9 patients sur 10 ont perdu la vie dès les jours dont on l'a intervenu. Et donc, c'est pas, les résultats ne sont pas vraiment... Et c'est plus aussi pour la cataracte, puisque la tension oculaire, quand on opère, ça ne fait rien du tout. Ça ne finit pas la maladie, juste pour faire quelque chose. Et aussi, avec cette intervention, il y a possibilité que tu perds la vie complètement. Mais nous avons mis en place un produit efficace qui parle de lui-même. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont enlevé le verre,
Donc, cette molécule fait vraiment du bien. Nous avons mis en place des mécanismes un peu du genre renforcer votre vision. Vous êtes myope à un moment donné. C'est la vue de loin ou de près, tu ne parviens plus. Même si tu n'as pas de glaucome, il y a possibilité de t'aider. Tu as la cataracte, il y a possibilité de t'aider. Tu as la rétinopathie diabétique, donc il y a possibilité de t'aider. Le plus grand dans tout ça, c'est le glaucome, parce que le glaucome n'a pas de produits, n'a pas de solutions. La cataracte, on peut opérer. Et déjà, même quand tu as cataracte et glaucome, il n'y a plus moyen d'opérer malgré tous les dangers qu'il y a. Mais sinon, le glaucome, je vous informe aujourd'hui, la RDC, notre pays, au travers notre centre, nous avons réussi à mettre en place un produit qui soigne cette pathologie. Le molécule que vous avez mis en place, c'est aussi fabriqué en base de phytos. C'est un produit phyto, c'est un produit naturel. C'est un produit naturel qui fait énormément du bien aux gens. Et vous chercherez, si vous en avez besoin, posez des questions, interviewez des malades, posez-leur des questions, ils vous parleront, ils sont là. D'ailleurs, beaucoup sont disposés à parler. Vous savez, lorsque, d'ailleurs, on a eu, je me souviens encore de notre collègue médecin, dont on a eu à soigner, lui, c'est après qu'il ait fini avec ses études à l'INIKIN, soudainement, il finit les stages, il ne sait plus voir. Même sa fille, donc, les diplômes de la médecine dans les tiroirs. Donc, quelqu'un qui menace déjà à se suicider. Quelqu'un pareil. Et la majorité, c'est comme ça. Tu es avec ta femme, tu ne sais plus voir, disons, la beauté de ta femme, tes enfants. Tu ne vois que les silhouettes des gens. Donc, ça travaille, ça dérange. Et lorsque une personne pareille, tu les soignes. Il est là dans nos conférences, dans beaucoup d'émissions, nous sommes avec lui. Et vous l'écouterez combien il est content. Et quelqu'un pareil, il ne peut que parler. Les autres peuvent même lui traiter de tous les mots, mais lorsque tu as traversé dans la chose, les malades ou les malvoyants ou les gens qui ont des problèmes d'yeux ou les glaucomantés, ils le savent bien. Lorsqu'on n'avait plus de chance, on était désespéré. Après qu'on t'ait donné des diagnostics du genre, tu ne verras plus, tu vas mettre cette molécule toute la vie. Et malgré que tu y mets, on essaie juste de faire un petit peu quelque chose pour t'aider. Mais soudainement, tu arrives à un endroit, on te soigne, tu es guéri. Maintenant, écoutez, il y a de quoi témoigner, il y a de quoi parler. Et voilà. Docteur Bruno, souvent quand vous parlez de la médecine en base des plantes, beaucoup de gens ont dans leur tête l'idée d'un charlatan. Est-ce que vous n'avez pas peur ou vous ne vous gênez pas de... Écoutez, aujourd'hui, dans le monde entier, dans tous les domaines, il y a des charlatans. Dans la médecine moderne, vous trouverez aujourd'hui, il y a des laboratoires illégaux qui vous font des dégâts, qui vous font des produits qui sont en train de tuer, alors tuer encore davantage la population. Dans tous les domaines, il y a des charlatans. Au niveau aussi des journalistes que vous êtes, il y a des charlatans. Mais toi, c'est à toi de nous prouver si tu es charlatan ou tu ne l'es pas. C'est à toi de nous prouver. C'est comme je venais de dire tout à l'heure, notre travail parle de lui-même. C'est vrai, surtout en Afrique, hein, nous sommes encore un peu sous ce que moi j'appelle le joug du colonisateur. Nous avons encore l'impression à voir que c'est ce qui est fait ou par un blanc qui a de la valeur. Et nous avons l'impression à voir que non, c'est ce qui vient d'un blanc qui a de la valeur. Non. Mais c'est ça, le produit est là, non? Le produit est là et il parle lui-même. Je pense qu'il faut enlever, permettez-moi les termes, c'est un peu de complexe. Moi, je traite ça de complexe, c'est de complexe. Nous-mêmes, nous avons la capacité de tout faire. Nous avons la capacité de tout faire comme les Blancs. Et il faut enlever un peu cette histoire-là dans les têtes. Hein. Vous voyez un peu, nous avons Manakovid qui est parti, à qui je rends hommage. Nous avons aussi les savants Nieka qui nous a laissé depuis le 24 décembre, quelqu'un qui a mis en place un produit qui soigne les dépanocytaires. Donc il y a beaucoup de chercheurs dont il faut soutenir, dont il faut valoriser. Donc il faut arrêter de penser que la solution c'est seulement ailleurs. Aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup de chercheurs qui ont mis en place des mécanismes par rapport à la COVID. Mais cela semble être n'est pas
considéré. Cela semble être... Donc on pense peut-être qu'il faut seulement ce qui vient. Mais, et pourtant, ce que nous nous donnons, c'est du bio, c'est du naturel, qui n'a pas autant d'effets secondaires, qui n'a pas tout ce qu'on vous parle aux cliniques et ainsi de suite. Mais vous avez tendance à voir ce qui vient ailleurs. Non. Africain, Congolais, réveille-toi. Comme quelque part dans la Bible, on a dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Ou je paraphrase pour dire, vous avez toujours des solutions avec vous, mais vous pensez que les solutions nous viendront d'ailleurs. Donc nous avons des talents, nous avons des fils de ces pays qui se sont mis au travail. Nous avons beaucoup de chercheurs dans ces pays qui font un bon travail. Au-delà de ça, il y a les charlatans, oui. Mais approchez-vous. Un bon scientifique est celui qui est kyrie. Et avec vous aussi, les journalistes, venez-vous d'abord vous... Vous interviewez par exemple un malade qui vient d'arriver avec son dossier médical de quelque part et on va les consulter, on les met sous traitement. On va voir ce que ça va faire. On l'enverra encore faire des examens. Vous voyez, il y a scientifiquement prouvé. Donc quelqu'un qui vient avec les glaucomes prouvés scientifiquement ou chroniques, il vient avec les examens, on va les consulter, on fait les examens qu'il faut et puis on les met sous traitement. En dehors que la personne a vu, a repris à voir, mais aussi on fait les examens, on vous dit voilà, un d'abord la tension, puis quand vous commencez avec cette molécule-là, elle vous stabilise d'abord la tension oculaire. La tension est stable. Déjà avec tes migraines intenses que tu avais, les migraines sont parties, tu peux reprendre à bien dormir. Ça met aussi en place des insomnies terribles. Il y a quelqu'un comme ça, il te parle un mois, six mois, il ne dort pas. Et il peut délirer quelqu'un pareil. Lorsqu'on ne dort pas, ça amène beaucoup de choses. Mais cette pathologie-là ou cette maladie-là, glaucome, peut amener la personne dans ces niveaux-là. Et déjà, quand vous commencez avec les traitements, la première des choses, c'est dormir. Tu vas dormir suffisamment. Pour dire, comme pour dire, les maux de tête et les insomnies sont des signes de la hausse de la tension oculaire. Donc la tension est stable et les produits rajeunissent les nerfs optiques. Tous les nerfs fatigués et bouchés, là, il va rajeunir les nerfs. Et le champ visuel va reprendre sa taille initiale et la personne peut reprendre avec la vue. Il peut revoir déjà la personne qui avait du mal à fixer le visage des gens. Tu avais du mal à voir les têtes des gens déjà à 10 mètres, à 5 mètres, la première des choses. Mais tu fixes, ah non, lui c'est tel. Et ça donne de la joie. Vous verrez un patient, non, je vois une voiture rouge qui passe. Ce serait comme un enfant. Non, c'est de la joie. Lorsque quelqu'un était devenu incapable de voir toutes ces choses-là et puis ça passait, il ne sait plus quel habit tu portes ou quel habit je dois porter. Mais quand il est en face de ça, non, non, ça c'est du pourpre. C'est du rouge bordeaux. Et vous voyez un peu. Donc c'est de la joie. Donc, voilà. C'est... Moi, personnellement, comme l'a dit le docteur Bruno, je dois faire un petit tour, voir la réalité en face. N'est-ce pas, Fiston et Encolé? Nous devons aller et voir la réalité en face. Et si nous sommes convaincus, je vous assure que nous allons faire la promotion de ce produit, nous allons faire la promotion de ce centre, parce qu'il faut valoriser les produits locaux pour la promotion de la République démocratique du Congo. Vous également, vous qui nous suivez, si vous êtes encore dubitatif, venez au centre, appelez le numéro et vous ne serez pas déçus certainement. Venez voir, venez entendre et venez expérimenter. Vous allez voir justement que ça sera une très bonne chose. Docteur Bruno, nous sommes en train de chuter dans cette émission. J'aimerais avant de finir que vous puissiez nous parler brièvement de votre centre de recherche. Vous avez dit que c'est le centre de recherche scientifique dénommé Gloara. Ouais. Parlez-nous brièvement en quelques 2-3 minutes de votre centre. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un centre de recherche scientifique. Dans notre centre, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise encore demain, non, nous avons mis en place telle ou telle autre molécule, nous ne dormons pas. Au-delà de la molécule qui soigne la tension oculaire, nous avons aussi mis en place un plâtre de 3 jours qui consolide les os. Un plâtre de 3 jours. Les plâtres que nous avons tous les jours, où tous les mécanismes possibles qu'on soumet aux patients fracturés. Là, je vois les clous, les plaques vissées, les fixateurs et les plâtres. C'est juste pour immobiliser les membres fracturés. Immobiliser et donner aux os le temps de se consolider. Mais nous avons réussi à mettre en place un plâtre qui a un potage des produits qui consolide les os.
Là, c'est, on parle des cas, déjà un peu avec les bassins. On en a déjà eu beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Quelqu'un qui est fracturé au niveau du bassin, d'ailleurs, là, c'est pratiquement impossible qu'on lui place un plat ou qu'on immobilise. Non, on lui dit, par exemple, dors sur les triplex avec tous les dangers qu'il y a. Il peut se blesser, il peut. Mais nous, nous soignons une telle personne. On a un plat de 3 jours avec un potage de produits qui consolide les os. Donc, dès qu'on les place, dès les premiers jours, il n'y a plus de douleurs qui annoncent la consolidation. Après la réduction, bien évidemment, on réduit les membres fracturés, on place ces plâtres-là et puis après 3 jours, ça dépend des décrets de la fracture. Donc, il y a des fractures, on peut vous mettre des séances, 3 séances et puis c'est parti. Mais déjà, dès la première séance, là, tu vas bien. Des fractures lombaires, des fractures du bassin, des fractures fémur, donc dans peu de temps. En fait, chez nous, s'il faut vous prendre beaucoup de temps, donc des fractures complètes, par exemple une fracture complète du fémur ou de la fémur, disons, ça nous prend, si ça nous a pris beaucoup de temps, c'est un mois. Mm-hmm. C'est un mois. Parce que là, il faut que la consolidation soit solide et puis la personne s'éteint debout et elle marche. Et les autres consolidations ici, et puis ça passe. Et la même fracture, les mêmes plâtres, disons, il intervient aussi dans le cadre de des maladies arthrosiques ou rhumatismales. Et là, je vois la dégradation du cartilage, l'inflammation du cartilage. Nous intervenons aussi avec ces plâtres. Destruction des têtes fémorales, des négroses, là, septiques et autres. Donc, on place ces plâtres et tu es guéri. Et nous avons beaucoup de patients. Je crois qu'au prochain numéro, nous allons parler de ça. Oui, des mêmes problèmes. Que... Donc, le centre de recherche scientifique est en train de travailler pour apporter solution à beaucoup de problèmes qui dérangent la population. C'est vrai, dans notre centre, nous parlons aussi modernement, nous sommes plus bio, nous sommes plus naturels. Là où il faut intervenir moderne, là où il faut tel réactif pour tel problème, on intervient, mais nous sommes dans un centre phytothérapeutique, nous faisons des recherches, nous sommes en train de chercher comment aider la population dans beaucoup de maladies qui dérangent. Mmh. Voilà, merci beaucoup docteur Bruno Chilela. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de terminer complètement, j'aimerais, actualité oblige, que nous puissions faire une petite lecture de la pandémie à Covid-19. On a suivi tous les péripéties de la maladie en République démocratique du Congo. On a vu le vaccin venir et puis le vaccin n'est pas être donné à la population congolaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous, Congolais, avec cette pandémie qui est en train, on a suivi le député national Henri Thomas Lokondo est parti, on a suivi le président tanzanien est parti, on a suivi beaucoup de gens qui sont partis de cette maladie. Ouais. Nous, particulièrement, nous, Congolais, à ce stade, qu'est-ce que nous devons faire concrètement avec la pandémie? Merci beaucoup. Si je dois parler par rapport à la pandémie, j'aimerais encore... inviter tous les Congolais à respecter les mesures barrières. Vous allez constater avec moi que beaucoup de gens actuellement portent plus les masques, ils ne respectent plus la distanciation. Donc les mesures barrières ne sont pas respectées. Continuons à respecter ces mesures barrières. Ils ne vont pas seulement nous protéger contre la COVID, il y a bien d'autres pathologies. Et beaucoup de maladies, des mains sales. Aujourd'hui, vous verrez même dans nos centres, le taux est minime. Le taux est minime. Puisque aujourd'hui, on a tendance à laver les mains. Chaque fois, nous allons exclure beaucoup de maladies, des mains sales. Et ça va beaucoup nous aider. La maladie existe. Protégeons-nous. Revoyons encore un peu notre alimentation. Mangeons bien. Mangeons bien. Et plus les aliments... Mangeons bien et mangeons bio. Bio, les aliments qui vont nous aider à résister, à renforcer notre système immunitaire. On peut manger, ne pas manger bio. Par exemple, on vous fait un poulet aux épinards. Déjà, dans les épinards, nous avons des composants qui, déjà avec les problèmes de la COVID, donc tu seras blindé. Tu seras blindé. Il y a des citrons, mangeons des fruits. Mangeons bio, toutes ces choses-là vont nous aider à résister contre cette pandémie. Nous croyons en Dieu, nous pensons qu'un jour, cette histoire entrera dans l'histoire, ne se vivra pas au quotidien. Mais au-delà de tout ça,
respectons les mesures barrières, mangeons bio, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits aussi, pour renforcer notre système immunitaire. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin, ou il y a encore quelque chose à ajouter? Bon, je pense que c'est fini, ou carrément, je dois encore dire aux gens s'ils comptent vraiment nous... Vous pouvez rappeler votre numéro et l'adresse si... Oui, je rappelle mon numéro. Mm-hmm. Appelez-nous au 081 95 66 207. 081 95 66 207. Vous avez des questions à poser, venez nous voir sur place, on va parler. Déjà avec ce numéro WhatsApp, mm-hmm. envoyez-nous vos préoccupations. Peut-être vous doutez encore sur un point, venez. Et je vous informe, vous tous qui avez encore des doutes, au-delà de ce que vous avez étudié dans l'auditoire, au-delà de ce que vous connaissez, je vous informe qu'il y a une molécule actuellement qui soigne la tension oculaire ou les glaucomes plus cataracte. Mm-hmm. Donc, c'est ça un peu. Sinon, je salue tout mon personnel du centre. Merci beaucoup, docteur Bruno Tchela, Tchilela. Oui. Plutôt, je rappelle Tchilela, que vous êtes expert en santé publique et phytothérapeute. Oui. Vous êtes initiateur ou responsable du Centre de recherche scientifique Gloara, oui. Ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. C'était la première, mais ça ne sera pas la dernière. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir fait confiance. Un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage. Fiston et Encolé a réalisé cette émission. Pourquoi pas Sabi qui était du côté de la machine dans la partie technique. Merci à Bijou Maïkani pour la coordination. Sans oublier Odon Boulamba, la cheville ouvrière de Léon Joléo qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Vous, chers internautes, si c'est pour votre toute première fois de nous suivre, veuillez vous abonner à notre chaîne Léon Joléo. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos de nos différentes émissions. Moi et vous, on se dit merci et on se retrouve à la prochaine.